Bon, on va se remettre un peu. Faut que j'attrape un chocobo. Mais avant. Avant, je vais faire le tour. C'est vrai qu'on peut mettre la carte comme ça. La montagne est là. Ouais, c'est là que je devais aller. Que je devais aller. Oh, j'ai appris suicide. Ok. C'est pas non plus la meilleure. Très bien. Je suis quasiment mort. Ils font mal ces petites saloperies. Hein. Ils font hyper mal. Hein. Ah mais ça fait mal. Qu'ils arrêtent de s'acharner sur moi là. Magie, c'est toi qui as la magie, soin. Ça soigne d'un coup. Bon. À la recherche d'un chocobo. Mais avant, on va regarder s'il y a du monde sur Facebook. Sur le bon Facebook. Où est-ce qu'elle est ma chaîne? Il y a 3 personnes. Peut-être même plus. Peut-être même plus. 4. Plus les gens sur Twitch. Hein. Et ben, bienvenue à vous et bonjour. À la recherche d'un chocobal. Ouais, super. 3 rapaces de pigre à la gueule. Comment on fait? Voilà, c'est ça. C'est compliqué, hein. Je fais tourner ton stream en fond, mais je baisse le son. Ouais, bah normal, après... logique. Logique. Aise. Bon, au moins c'est une super potion. Toujours ça de prix. Ouais, bah je suis à la recherche d'un chocobal. Voilà. Pas moyen de trouver un chocobal. C'est chiant. Séisme, je crois que ça leur fait rien. Bon, peut-être pas le faire, ça servira à rien. Elle le vole, ça marche une fois sur 50. C'est un truc de fou.
quand je dis une fois sur 50, je crois que je suis proche de la vérité. Hein. Bon, je vais l'avoir mon chocobo ou pas? Je sais pas. Ah, mais c'est normal si je mets pas la materia. Ah, ouais, si je mets pas la materia, mon pote. Ça peut pas fonctionner. Voilà, à pas chocobo. On va essayer maintenant. On va essayer. On va essayer séisme. Je pense que ça va pas faire beaucoup de dégâts. Ah quand même. Quand même. Quand même, quand même. Lumière tranchante. Qu'est-ce que c'est que donc ça? Alors, c'est dans quoi? Ça doit être dans limite. Si tu modifies le niveau de limite, ta jauge. Ouais, c'est pas grave. Détail. Diffuse after hitting the. Je sais c'est quoi. Caca. Qu'est-ce qu'on a en limite ici? Tout le monde est en niveau. Bon bah là, comment ça marche la peau là? Compétence attirer chocobo, chance plus. Il a pas moyen de savoir c'est quoi suicide niveau 4. À part essayer, il y a pas moyen de savoir. Est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer un truc qui s'appelle suicide? Ça donne pas trop envie. Ah, le v'là. Le fameux chocobal. Vite, vite. Un chocobo. Vite. Légumes. Légumes. Légumes dans ta gueule. Faut aller très très vite. Hop, moins un. Et voilà, le chocobo est à moi. À moi. Le chocobo il est à moi. Mode d'emploi. Pour monter dessus, pour en descendre, le chocobo s'enfuit lorsque tu en descends. Ouais, donc faut pas faire croix. Ok, donc là il faut éviter le. Le boss. Parce que, comment dire, il vient directement à la gueule. Hop hop pipo pipo papa pop hop. Qu'est-ce que tu fais toi? Vite, vite, vite. Putain! Voilà, on y est.
C'est Sephiroth qui a fait ça. A mon avis, ce Sephiroth, c'est un type vraiment fort. Non! C'est une force hors du commun. Bah non, mec, il est absolument pas fort. Non, il a juste empalé le putain de serpent sur un arbre mort. C'est pas... C'est à la portée de tout le monde, quoi, je veux dire. Bon, ben... Allons-y. Du coup, il y en a encore un. J'aimerais rentrer. Ah, il faut lâcher le chocobo. Voilà, à partir de maintenant, je suis bloqué ici. Ah, il a l'altération de tristesse. Qu'est-ce que c'est que ça déjà, tristesse? Stimulant. Voilà. Bah allez. C'est parti. La grotte Mithril. Donc, j'en ai pas des super souvenirs ici. Hein. Juste que c'est assez labyrinthique. Un éther. Ouais. Putain, j'ai vraiment rien d'autre que suicide. Ça fait mal. Ah, puis c'est Cloud qui en prend plein la gueule, hein. C'est incroyable. On fera une invocation après, tiens, pour voir. De glace, un élémentaire de feu. Et voilà. On dirait que la musique elle va plus vite. Langue portée, c'est vrai que je peux changer ma matéria moi. Couverture, et donc langue portée. Ouais, ils s'en foutent. Vous avez compris. Peu importe la ligne sur laquelle tu te trouves, ça marche bien. Là-bas, c'est fouillé. Il
Yes. Ah bah celle-là ouais, bon bah ok, bah, tant pis, j'aurais fait séisme pour rien. Bon, pas que, bon, en fait pas trop, ouais. Non, ça passe quand même séisme ici. J'avais sous-estimé la puissance de cette matéria. Donc ici, est-ce qu'on a des objets? C'est non. Et au-dessus, c'est non. Séisme hein, vu qu'ils aiment pas. Une minute. Les Turcs. J'espérais ne jamais te revoir. Vous vous souvenez de moi? Tu es des Turcs, non? Eh bien, si tu le sais, ce ne sera pas long. C'est difficile d'expliquer ce que font les Turcs. Des enlèvements? D'un point de vue péjoratif, c'est un peu ça. Mais ce n'est pas tout. Hey, listen. C'est bon, Rude. Je sais que tu n'aimes pas parler. Ne te fatigue pas. Alors, explique, Elena. Je m'appelle Elena. Je suis le membre le plus récent des Turcs. Il manquait de personnel après que vous avez fait subir à Renault. C'est vrai qu'il a pris chien. Mais si grâce à ça j'ai été, promu Turc. Bref, notre travail est de découvrir où se rend Sephiroth. Ouais, c'est Minecraft, Elios. Mais aussi de vous barrer la route à chaque étape du voyage. Attendez, c'est l'inverse. C'est plutôt vous qui vous mettez en travers de notre chemin. Hop, Tseng. Elena, tu parles trop. Oh. Monsieur Tseng. Inutile de leur parler de notre mission. Désolé, monsieur Tseng. N'aviez-vous pas reçu d'autres ordres? Maintenant, filez. Et n'oubliez pas de mentionner ces détails dans votre rapport. Oui, compris. Bon, Rude et moi partons à la recherche de Sephiroth qui se dirige actuellement vers le port de Junon. Elena, tu ne sembles pas comprendre. Merci d'avoir donné ces informations. Oh, je suis désolé. Allez, partez. On ne laisse pas Sephiroth s'enfuir. Oui, monsieur. Ah, c'est normal qu'Elios tu connais pas, c'est pas de ta génération, ça. Renaud a dit qu'il souhaitait vous voir une fois rétabli. Il veut vous témoigner son affection à tous avec une nouvelle arme. Bon, sinon. Oui, Aris, elle n'est pas avec vous? Non, elle est avec les autres. Ah, alors passez-lui le bonjour. Genre, ils s'en baguent les couilles, quoi. Bon, on va retourner en arrière parce que j'ai. Ok, bon, bah, on ira plus tard. On va invoquer, tiens. Si, je connaissais, mais je n'y ai jamais joué. Malheureux, malheureux. Gros chocobo. Boum. Ah, oh, ça fait mal. Là. Bon, je retourne en arrière parce que j'ai loupé un truc là. Bah. Source spirituelle, qu'est-ce que c'est que cette merde? Hop là. Trier en
combat. Oh, le jeu cubique en 2 images par seconde. Eh ouais, mais vous avez pas connu ça, les gars. Eh, dites-vous qu'il y avait pire avant. Il y avait Pong! On va refaire une invocation parce que là j'ai vraiment la flemme de tous ces combattre. Duo de choc. Et voilà. Une invoque, y'a plus rien. Par contre, ça pompe TMP, laisse tomber. Bon, allez, hop, on retourne là-bas. Je sais pas s'il faut aller par là. Non, mais Elios, tu vas au Maroc, tu vas au ski, tu vas partout, toi. C'est chiant. Toi, tu viens d'une famille de bourges. Bon, je vais retourner dans la caverne parce que j'ai raté un truc. Avec le collège. Ah ouais, mais vous en foutez du corona ou ça se passe comment? Reçu Elitnir. Putain, mais il y a des combats dans toutes les zones là ici. Allez, on démonte toute la gueule de tout le monde tour par tour. Je suis revenu. Je pouvais plus y aller. Ah bah oui. Ça fait mal aux yeux, hein. Pour ceux qui sont pas habitués. On va soigner quand même un peu parce que sinon on n'est pas bien. Là, le ski est fermé. Bah après, c'est normal, tu vois, j'ai envie de te dire. Je sais pas si t'as allumé ta télé, Elios, mais c'est un peu logique en fait. T'encourage à rester chez toi et à jouer aux jeux vidéo. De qu'est-ce que tu te plains? On t'encourage à te pignoler à longueur de journée. C'est quand même cool, non? Bon, voilà, j'ai fait tout ce chemin pour ça. Bah oui, mais on part voter. Mais t'as pas l'âge pour voter, qu'est-ce que t'en fous? C'est vrai que les votes c'est vachement important. Bon, on va changer un peu l'équipe. Non, c'est pas que, mais le gros barrette et le petit chien il me saoule un peu. Alors, mais on a cours à distance, mais bon, j'ai quand même cours. Et ouais, c'est la vie. Par contre, si t'as pas internet, tu peux dire que nique quoi. Alors, équipé. Ça, je vais laisser ça. Matériel, je vais tout enlever, je vais tout refaire. Alors, Tifa, faut qu'elle soigne. C'est bien de soigner. Restaurer.
restaurer l'eau. Le pire, c'est que la prof a fait une interro à distance. J'avais mon cahier à côté, mais j'ai eu zéro. Pourquoi? Parce que t'es nul. Ça, c'est nul, ça, par contre. Poison, guérison. En élément, je vais mettre insensible. Insensible au poison, tu vois. Car j'ai mis des majuscules à chaque réponse et fallait pas le faire. C'est bizarre. Hop, étalon ennemi. Alors, elle, par contre. Alors, elle. Elle, alors, elle. Guérison. Mettre tout le monde feu, parce que le feu c'est trop bien, le feu c'est cool. On va lui mettre déjà, hop, on va faire ça. Alors on va lui mettre foudre, glace, chocomog, ouais, et puis voler, voilà. Ça me paraît correct. Lui, on va lui mettre tout terre, du coup. Heureusement que j'avais tout bon, car j'avais mon cahier à côté. On va lui mettre couverture. On va mettre longue portée. Et puis on va remettre sentir. Voilà. Juste histoire de. De se refaire une nouvelle équipe. Allez, c'est parti. Donc là, il y a Junon. La fameuse bataille de Junon qui est extrêmement dégueulasse. On va pas se mentir, hein. Là, franchement, sur ce truc qu'ils ont fait, c'était vraiment pas beau. Non, c'est pas Junon, c'est le mont... Oh, je dis de la merde. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que c'est que ce gars? J'ai une idée, je reviens dans 20 minutes. Pas de soucis, vas-y. Bah vas-y. Oh bah l'empoisonné, c'est cool. Oh bah il était pas si fort que ça en fait. Bon. Junon est là-bas je crois. À l'autre bout. Ou là-bas. On va aller chercher Yuffie, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Yuffie c'est ici il me semble, hein. C'est dans le coin, je crois que c'est dans le coin. Je me souviens plus trop. Magie feu. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je vais aller check sur internet après. Coup de foudre. Ah, on peut pas atteindre. Si, moi je peux atteindre, j'ai mis leur portée. Ah ouais. Oh, la niveau plus 1, le matériel. Donc. Je check vite fait, mais me semble que Yuffie, c'est dans le coin. Alors... A voir... Yuffie FF7.
Voilà. Rendez-vous sur la carte du monde, puis arpenter les forêts, jusqu'à croiser un étrange ninja. Vous pouvez dénicher cet ennemi spécial dès que vous sortez de la mine de Mithril. Voilà, peu importe en fait, c'est dans la forêt. On va aller la chercher avant de faire la bataille là. Hop. On va sauvegarder. Ah. Ah. Putain, il fait mal. Mais... Niqué. Voilà. Ça fait mal, hein. Objet, une super potion là, au moins. On sauvegarde. Allez, c'est parti, on recherche encore. Dans cette petite forêt là. Toujours pas. Magie. Non. Magie. Feu. Et il s'acharne sur Cloud, c'est un truc de fou. Merde, j'ai raté. Le téléphone il galère, je sais pas pourquoi il galère comme ça. Oula. Je regardais un peu les réponses qu'il faut répondre à Yuffie. Il faut répondre. Ça ne m'intéresse pas, tu as la trouille. Attendre un moment, c'est ça, dépêchons-nous. Voilà. On va aller voir dans cette forêt là. Je pense que c'est dans cette forêt là. Il y a Junon qui est là-bas, je crois. Bon, elle a du mal à popper, hein. Je me suis branché. Ah d'accord. Tu t'es branché sur le 220. Alors, enregistrer.
ça doit pas être si loin. Normalement, je suis dans la forêt, là. Je suis dans la bonne forêt. Aïe aïe aïe, fait chier. D'accord, super. Je vais faire un chargement rapide, voilà. Parce que là, je suis en train de perdre mes objets pour rien. J'ai raté. Non, si ça sert à rien. C'est une forêt. Ouais, c'est une forêt, Elios. Arrête de critiquer, s'il te plaît, Elios. On est pas, c'est pas la même génération. Tu peux pas. Tu peux pas test. J'ai mal. Je vais bientôt mourir, mourir. Je vais bientôt mourir, mourir. Ça fait genre hyper mal quoi. Il me fait mal du cul. Encore ? Putain, et c'est bon, j'en ai marre de crever là. Au bout d'un moment, ça suffira. Hein. J'ai pu avoir de queue de phénix à force. Ah! Oh ta mère, m'a saoulé. Par contre, il y a un truc qui ne trompe pas. Elle a un bon boule. Non, elle a surtout des gros seins. Bon. Gâcher ses potions. Hein. J'arrive pas à trouver cette merde. Elle me saoule. Elle veut pas. Hein. Elle veut pas venir. Hein. C'est un truc de fou. Comment je me fais gifler? On dirait une recherche de shiny dans Pokémon. Je le trouve jamais. Non mais c'est ça. Non, en fait c'est totalement ça en fait. Bon, si à celui-là je trouve pas, faut que je relis la soluce parce que 100% que c'est là quoi. Ah putain. J'y ai cru hein. Mais comment il se... s'acharne sur Cloud, c'est n'importe quoi. Voilà. Putain! Ah ça me gonfle! En plus je... Trop de cul. Ah oh, putain, trop de cul. Mais non, pas free slot.
Voilà, on charge. Non mais Cloud, c'est une huître, hein. Il sert à rien. Comment on tapait les... Voilà, les Pokémon là. Putain. Ça me saoule. Mais ce que je prends dans la gueule. Ils m'ouvrent en deux, ces cons. Ma limite break sur lui. Oh putain, on est tous en limite. Y'a un problème, je sauvegarde là, y'a un problème. Je sais pas où est-ce qu'elle est, Yuffie, c'est pas normal. Je vais regarder vite fait sur l'internet. Je sais, c'est SAIS, s'il te plaît, Elios. Je Saïd. Alors, rendez-vous sur la carte du monde, puis arpenter les forêts jusqu'à croiser un ennemi. Vous pouvez dénicher cet ennemi spécial dès que vous sortez de la mine de Mithril. Après les événements de Midgar et le récit du passé de Cloud, du village calme. Bah ouais. Alors, c'est pas logique. Alors, c'est pas logique quoi, je comprends pas. Il faut tourner autour de la chaise. Ouais. T'as raison, Elios. Mais je vais tenter cette forêt là, peut-être. Peut-être avec un peu de chat, hein. Non, je me retape encore les Pokémon de merde là. C'est un truc de fou ça. D'habitude je l'ai au deuxième try quoi, deuxième, troisième. Mais là elle veut pas. Et le pire c'est qu'après il faut bien répondre aux questions. Et ça c'est chiant. Allez là. Pas que ça faire. Bon, ça fait pex après, hein. On va se mentir, ça fait pex. Putain, c'est incroyable ça. Putain, je me tape des ratés à chaque fois aussi, c'est n'importe quoi. Et ils font mal hein. C'est incroyable. Putain c'est incroyable du cul.
suis en train de kiffer ma vie. Oh, j'ai gagné un truc. Alors, limite. Constraint et stop the magic of... Ouais, ouais non. Ah quoi que... Ouais, c'est bon, en fait, ça peut être bien. Ça peut être bien. Hein. Sauvegarde rapide. Faut que tu tournes autour de la chaise, c'est sûr. C'est un truc de fou. C'est un truc à devenir taré quoi. Non, je tournerai pas Elios, arrête, s'il te plaît. Arrête. Ça me fait chier là parce que je n'arrive pas à l'avoir et ça me casse les couilles de perdre autant de temps comme ça. C'est n'importe quoi, c'est. Bon allez, là, on la sent bien, là on va, elle va arriver. Là, je le sens bien dans ce coin là, ici, là. Je vais tourner ici, là, comme un con. Allez. C'est la bonne, c'est la bonne. C'est la bonne. Alors on y croit. C'est non. Putain, j'y ai cru! Fil de cap à level 15, 50 HP. Sur 210. Je veux pas gaspiller mon ulti. Je crois qu'on est tous comme ça, on veut pas gaspiller l'ulti. Hein. Bon bah si elle est pas dans ce coin là, je vais tenter là ici, tout en haut là. Si je suis bien là. Je le sens moyennement. Ouais je savais, je m'en serais douté. Saut maléfique, on va essayer. D'accord. On s'est mute tout le monde. Ah, ça fait stop aussi. Ok. Ah, ça fait. Ça peut faire la diff. C'est pas possible, il y a peut-être un manque de l'équipe qui est pas bon quoi. Aidez-moi s'il vous plaît dans le chat, dites-moi, souvenez-vous, comment on fait. Moi je me souviens plus. Hein. La légende raconte que si tu tournes autour de la chaise, bah tu le. Mais arrête, putain. Materia. Élément. Poison, hop, tout le monde. Feu. Non. Tout le monde restauré surtout.
c'est dingue ça, les combats ils sont longs. Un truc de fou. Un truc de taré. C'est un truc de fou. Je sais pas pourquoi il... Elle veut pas pop en fait. C'est pire qu'un shiny en fait, hein. Là ça commence à devenir un peu plus pire. Hein. Je sais que le taux de chance est pas élevé mais... Je vais essayer ça, tiens. Ah, j'ai pu avoir de MP à force. Surtout pu avoir de vie aussi. Je me fais du fric et je me fais de l'XP. C'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais moi je veux Yuffie. J'en ai rien à foutre. Dès qu'on tombe sur Ninja. Je sais pas quoi, on est bon. Hein. C'est un truc de taré. Ça va en devenir fou. Hein. Je vais finir par aller faire la bataille de Junon et venir après. Hein. La bataille de Junon, là. Le Mont Condor là. Là, je sais pas, je sèche. Ce qui est sûr, c'est que je prends de l'XP. Hein. Oh, je regarde quand même, je vais regarder sur les solus parce que là, ça m'étonne. Alors, si vous désirez obtenir Yuffie, un personnage jouable, la carte du monde, la première forêt sur laquelle vous tomberez sera celle dans la région de Junon. C'est donc là-bas. Vous aurez l'occasion de la récupérer pour la première fois. Pour le reste, sachez que vous serez capable d'obtenir à 8 endroits différents de la région de Junon. La région de Junon. Dans chacune de ces régions, les probabilités de la rencontrer dans une forêt changeront. De 12,5, une chance sur 8. Une chance sur 8. Hein. C'est pour ça que j'arrive pas à tomber dessus. C'est quand même une chance sur 8. Donc faut rien lâcher en fait. C'est normal. Donc
12,5%. Ça fait mal au cul. Allez, la tombe. Putain, y'a pas moyen. Si j'ai pu avoir de MP à force. Je suis en train de me ruiner en MP. On va tenter celle-là. Elle est plus petite. Helios, tu me saoules. C'est plus drôle là. Ça me gonfle. Surtout que ceux-là ils sont balèzes en plus comme mode. Moi j'ai souvent mon ult et ça permet d'augmenter mes... Putain, ça va être long pour avoir Yuffie, ça va être super long. Je vais arriver à Junon, je serai level 100, on va rien comprendre. T'as une chance sur 8 de l'avoir quoi, mais vous imaginez même pas comment... Enfin, je sais pas. Non, toujours pas. Merci le jeu, quoi. C'est quand même chiant, ça. Il fallait faire la bataille du Fort Condor avant ou... Je vais finir par y croire hein, qu'il va falloir faire la bataille du Fort Condor avant. On m'a dit juste après. Non mais Elios, tu m'aides pas en fait. Tu t'en as rien à foutre en fait. Toi, ton premier jeu, ça a été Fortnite donc. Oh, j'ai appris un autre truc. Lance-flamme. Allez hop, ça crève. J'ai l'impression que je vais jamais y arriver quoi. Putain. Ils veulent pas me lâcher. Allez là, putain, Squaresoft, fais un effort. Attention, l'heure de vérité. C'est non.
Oh, enfin! Eh, j'ai failli attendre, hein. Donc il ne faut surtout pas que j'aille au point de sauvegarde qu'elle va me proposer. Il faut surtout pas que j'ouvre le menu. Sinon elle s'en va, elle se barre quoi, elle s'en va. Et ça commence, elle m'a transformé en... Putain, elle va transformer tout le monde en crapaud, c'est incroyable. Waouh! Waouh! Oui, on l'a eu! Bon. Maintenant. Maintenant, faut que je me souvienne. Donc, c'est ça qu'il faut répondre. Ok, bon. Alors. Donc faut pas ouvrir le menu. Punaise, je peux pas croire que j'ai perdu. Espèce de vieille tête de hérisson. Allez, encore une fois, on remet ça. Ça ne m'intéresse pas, pas intéressé. Hop. Vous croyez pouvoir m'échapper? Restez là et battez-vous. Battez-vous, compris? Allez, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur de moi, c'est ça? J'ai pas du tout ces réponses-là. C'est pas normal, hein. Alors. Alors c'est bas, après c'est haut. Oui, je suis terrorisé. Eh, c'est exactement ce que je pensais, pas étonnant vu que je suis doué. Bonne chance à vous les morveux, faites-moi signe, on change de vie à plus. Je vais m'en aller vraiment, un instant. Troisième réponse, c'est celle du bas. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez encore quelque chose? Alors c'est ça. Vous avez besoin de mon aide parce que je suis trop forte. Vous voulez que je vous accompagne? Réponse du haut, c'est ça. J'aurais été sûr. Ça me met dans une situation délicate. Que choisir? Bon, si vous insistez tant, je ne peux pas refuser. C'est d'accord, je viens avec vous. Et là, c'est le piège, c'est dépêchons-nous. Hein? Et... voilà. En fait, faut pas s'intéresser à elle. Je ne vous ai même pas dit comment je m'appelais. Et voilà, on a Yuffie. Et bah, on a un petit peu chié pour l'avoir, mais ça valait la peine, hein, quand même. Moi, c'est Yuffie, ravi de vous reconnaître. On s'est déjà barré. Et comme je l'avais prévu. Maintenant, il me reste plus qu'à un peu de ci, un peu de ça. Et attendez, attendez-moi. Bon, Yuffie, qui est le personnage le plus détestable de tous les Final Fantasy. Compris, hein. Moi je peux pas la voir, hein, Yuffie. C'est un truc de fou, je peux pas la saquer. Donc, on va mettre. Regardez, Iris. Par contre, Barrett il va dégager parce qu'il me saoule. Hop, on va prendre Iris. Yuffie. Et on va lui équiper des choses.
Elle a déjà brassé de carbone, putain. Elle est déjà niveau 17. Ah, c'est vrai qu'elle a la commande lancée. Qui pour moi ne sert à rien. Hop. Hop. Restaurer, on lui met talent ennemi. Et puis feu. Voilà. Ouh, putain, il était temps de l'avoir celle-là, hein, parce que j'en avais un petit peu ras le cul du cul. On va faire un petit point. Le fil rouge, hein, c'est le fil rouge, hein, c'est les viewers YouTube. Les viewers Facebook. Alors. Alors ça commente. Est-ce qu'il y a les habitués d'hier? Déjà j'ai perdu des viewers, tu m'étonnes après cette cette escapade. J'ai perdu des viewers. Bon allez, c'est parti, on continue. On s'abat pas sur notre sort. Faire un petit combat avant de rentrer dans le fort. Juste pour voir ce qu'elle vaut un petit peu, Yuffie. Inch'Allah si je le veux, hein, bien évidemment. Putain, il fait mal! Ah, il avait rien volé. Putain, j'ai mal lu. Bon, les matériaux ont bien monté de niveau aussi. Pourquoi il y a un truc qui clignote rouge sur la carte? C'est moi ça? Ok. Allez, c'est parti. Nous combattons la Shinra depuis longtemps sur ce champ de bataille. Aujourd'hui encore, nous sommes empêtrés dans une longue guerre contre eux. Aurais-tu un peu de temps à nous consacrer pour nous aider à les combattre? Enfin, rien ne presse. Si tu as autre chose à faire d'abord, tu devrais plutôt t'en charger. Nous allons vous aider. Vraiment. Alors grimpe et nous donnerons plus de détails. C'est parti. C'est bien pour les courses. Ouais, c'est parti. Hey, le vieux. Vieille, je sais pas. Ça alors, je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un grimperait jusqu'ici. Ton regard est différent. Enfin bref. D'une minute à l'autre, cet endroit sera transformé en champ de bataille contre la Shinra. Il vaudrait mieux que tu t'en ailles avant d'être pris dans les combats. La Shinra, ici aussi. Vous semblez également avoir un problème avec la Shinra. Après tout, vous êtes monté jusqu'ici de votre plein gré. Alors pourquoi ne pas écouter ce que j'ai à dire? Pourquoi pas? Savez-vous ce qu'il y a au sommet de cette montagne? Un immense oiseau. Un réacteur Mako et un condor. C'est bien ça. Sur cette montagne, il y a un réacteur et un condor. Il semblerait que la Shinra n'apprécie pas l'idée d'avoir un condor nichant sur un réacteur. Pourquoi ça? Je pense que le réacteur renferme une sorte de matériel spécial. Depuis l'arrivée du condor, la Shinra envoie des troupes armées. Elle veut se débarrasser du condor et de tous les villageois qui habitent cette montagne. C'est radical. En ce moment même, le condor couve son œuf. Or, celui-ci n'éclot qu'après plusieurs années.
Nous aimerions donc éviter que le Condor soit blessé par les troupes de la Shinra. Un bébé Condor? Une matériau spéciale, hein? Mais ça devient intéressant. Nous ne sommes hélas pas capables d'affronter la Shinra par nous-mêmes. C'est pourquoi nous recrutons des soldats. Vous pouvez nous aider? Par un soutien financier ou en combattant directement pour nous? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Si tout va bien, on pourra peut-être même récupérer cette matériau spéciale. C'est d'accord. Bien, faisons tout notre possible. J'ai entendu soutien financier, ça m'enchante moyen, tu vois. Ah, au fait, j'ai parlé de toi au propriétaire du magasin, afin qu'il puisse te vendre différents articles. Et nos lits sont à ta disposition si tu le souhaites. Yes! On va les voir en bas déjà. Hop, on sauvegarde. Bien évidemment. Allez, une pause, prendre un peu de repos. Tu vois, Elios, ça valait la peine, j'ai un nouveau personnage. C'est pas non plus rien du tout, tu vois. Y a rien ici. Item. Il y a le vendeur juste au-dessus. Ça c'est quoi? Ça sert à rien. Les gens sont orange ici. Ou très bronzés. Je sais pas. Courage. Alors déjà on va acheter des queues de phénix. Parce que j'en ai bouffé pas mal. Acheter des stimulants. Bonjour, merci de ton aide, nous ferons aussi notre mieux. Alors, feu j'en ai déjà. Foudre, glace et restaurer. J'ai déjà tout ça. Est-ce que je peux vendre des choses qui me servent à rien? Calmant, élixir, substance toxique. Ça, 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 ça se soigne. Ça. Ok. Un collier. Bah, ça, je peux le vendre. Ça aussi. Ça aussi. Bon, ça fait de la thune. Avoir accepté. Bon, je vais t'expliquer notre stratégie. L'ennemi grimpera au sommet de la montagne en direction du réacteur. Nous devons installer des pièges pour lui barrer la route et défendre la zone en engageant des soldats. Ça paraît simple, mais ce village est pauvre. Nous avons beau être motivés et les combattre, ça ne servira à rien sans argent. Chaque soldat nous revient à 400 balles. Par conséquent, si nous engageons 20 soldats, il faut 8000 giles. Nous aimerions donc que tu finances toi-même. Les soldats et le matériel, puisque tu t'occupes de placer et de donner les ordres. Si tu n'as pas le temps, peut-être pourrais-tu nous apporter des soutiens financiers. Avec cet argent, nous pourrions ainsi recruter nous-mêmes des soldats et arrêter l'attaque de la Shinra. Nous savons parfaitement que notre demande est égoïste. Sache que nous avons dû envoyer nos femmes et nos enfants dans un autre voyage. Mais nous sommes déterminés à rester. Bref, revenons à l'essentiel. Si l'ennemi atteint cet abri, vous serez obligé de les combattre par vous-même. Perdre une bataille n'est pas la fin du monde. En revanche, plusieurs défaites consécutives pourraient s'avérer problématiques. As-tu des questions? Conditions de victoire. Tu peux gagner en te débarrassant de tous les ennemis, ou bien en éliminant leur chef, le commandant. Si l'ennemi atteint cet abri, tu n'auras pas d'autre choix que de le combattre directement. En cas de défaite, l'ennemi aura accès au réacteur, mais ce ne sera pas la fin pour autant. Toutefois, je doute que notre défense tienne très longtemps après ça. Si la Shinra parvient jusqu'ici,
elle nous tuera avec le Condor et s'emparera de la matière intérieure du réacteur. As-tu des questions? Bon, moi j'ai des questions, mais je vais pas les poser à lui, parce que je crois qu'il y a une petite strat pour le fort Condor. Alors, on va regarder sur le Gogol, le fort Condor FF7. Bataille du fort Condor, Solus. Hop. Ça doit être ça. C'est bizarre. Le meilleur moyen de gagner la bataille. C'est bien simple, ne défoncez pas vos précieux Gilles, tu vois. En guerrier, mais laissez simplement l'armée ennemie rejoindre le haut de la colline. En plus de vous faire économiser votre argent, cela permettra de déclencher invasion ennemie. Cette dernière consiste à un combat de boss, qui n'apparaît que dans ce cas-là. Combattez le corne majestuelle qui ne possède que 8000 HP et vainquez-le pour apporter une formidable armure garde impériale. 6 orifices liés, plus excellente stat. Ah! En agissant ainsi, non seulement vous remportez la bataille, mais vous avez en outre récupéré un superbe objet et économisé de nombreux giles. Une fois tellement terminé, accédez au sommet du fort Condor. En sortant à gauche, et au personnage pour déclencher la bataille. Ici, vous récoltez la Materia Phoenix, qui est une invocation. Et ben voilà. Ça répond à toutes mes questions. Donc, non, je n'ai aucune question et je ne compte rien dépenser. Et mon téléphone qui déconne encore. Et ça me gonfle. Tiens, à voir ce type qui monte là-bas, on dirait qu'il s'apprête à attaquer. Un peu d'aide serait la bienvenue. Ok, c'est parti, contribuez, laissez s'en occuper, en apprendre plus. Ok, c'est parti. Tu as environ 10 ennemis, il semble y avoir beaucoup de bêtes. Par conséquent, tu devrais peut-être déployer davantage d'attaquants. Ouais, ou rien en fait. Pourquoi c'est... Ah d'accord. Bah en fait, je vais juste rien déployer. Voilà. Allez, plus vite. C'est long, hein. Ça, c'est le Condor. Ça pouvait aller un peu plus vite. Ah, tu peux acheter encore. On va rien acheter en fait. On va tous se les faire. Il n'y a pas de vie qui sera sacrifiée et aucun Gilles. Bon, en attendant que ça arrive. Alors, sur Facebook, qu'est-ce que ça dit?
Ça y est, ça arrive. Invasion ennemie. Ouais. Mon dieu, ils attaquent. Nous comptons sur toi. Ouais. Faire un petit glace dans la gueule. Bon, t'as pas trop l'air de vouloir crever, on va commencer à mettre bah voilà. Griffe de basilic. C'est quoi? On l'a échappé belle, mais les troupes de la Chine reviendront. Surveille bien la zone. Nous ne savons pas quand ils attaqueront de nouveau. Bah ouais. Bah sinon voilà quoi. Quoi, je comprends pas. Non, aucune. Bah, mec, moi je veux juste combattre en fait. Pourquoi je peux pas sortir? Je comprends pas. J'ai raté un truc? C'est bizarre, je comprends pas. C'est chelou. Alors. Bataille du fort Condor. Je comprends pas pourquoi la porte s'ouvre pas en fait. C'est bon, je l'ai eu quoi. Donc ouvrez-moi la porte et laissez-moi aller au réacteur quoi. Non? Pas moyen? Bon bah, y a pas de bataille. Bon, c'est pas grave. On va juste tout simplement s'en aller. Et c'est quoi l'objet que j'avais eu? Griffe de basilic. Hop, puis on va aller à Junon. On va aller faire la bataille de Junon.
pas la bataille. La fiesta, quoi. Alors par contre, c'est par où? Moi, j'ai oublié, hein. Ça doit être là-bas. Qu'est-ce que c'est que ces merdes? C'est par où? C'est là-bas. Tu vas te cramer. Merde, bon tant pis, ils seront pas touchés. Ouah, 407. Ce femelle. Jamais su c'était quoi là. Allez, c'est parti pour June. Bah, ce sera après. Là. Allez, c'est parti. Qu'est-il arrivé à ce village? Il a l'air en piteux état. Bien, voilà qui est rare. Nous n'avons plus guère de visite ici à part celle des gens de la Shinra. Coucou, je viens fouiller un maximum chez vous. Et s'il y a rien? Non. Bon bah s'il y a rien. Hein. Allez la vieille. Si tu vois quelque chose qui te plaît, tu ferais bien de l'acheter. Bon, alors. Pas grand chose, gros. Hein. T'as la limite une grenade, non, mais pour en fait, je vais peut-être même pas acheter une grenade.
Il ne reste plus aucun poisson à pêcher depuis que le Chinois a construit la ville, au-dessus, pendant la guerre. L'eau est devenue si polluée. Oh. Donc je vais pas aller en bas tout de suite. Pouvez-vous me parler de cet endroit? Vous êtes qui vous? Et d'où vous venez? Avez-vous vu un homme en noir? Non, je n'ai vu personne de ce genre. Y a pas de noir ici. Wow. Et bah. Agréable ce jeune homme. Mais c'est cosy ici. On dirait presque que c'est un enfant qui vit. Bon, on va aller voir en bas. Eh, monsieur le dauphin. Je m'appelle Priscilla. Allez à toi. Oui, Priscilla. Qui êtes-vous? Vous êtes de la Shinra? Eh, fais attention à ce que tu dis. Nous détestons la Shinra. Oui. Je ne vous crois pas. Allez-vous-en. Qu'est-ce que... Ouais, gros poisson. Monsieur le dauphin, sauve-toi. T'as des connes cette fille. Eh, tiens bon, on arrive. Je me souvenais plus qu'il y avait un boss ici. Oula, il est colère. Wow. C'est quoi ce délire? Comment je fais pour le péter? Comment je fais? Ça me pompe de la vie. C'est bon. Il a fait mal là. Hein. Il a fait un peu mal sur la fin.
Hop, une poignée de force. C'est affreux. Vous ne croyez quand même pas qu'elle est morte, si. Yuffie toujours aussi... Brigilla. Brigilla. Brigilla, nom de Dieu. Arrête de faire la conne. Mon Dieu, elle ne respire plus. Oh, il va falloir faire du bouche à bouche. Vous vous souvenez ou pas de ce... cet instant? Mais oui, jeune homme, du bouche à bouche, tout de suite. Du bouche à bouche? Vas-y, Cloud. Mais c'est une fille. Bah oui, t'es con, quoi. Pêche, Cloud. Tu l'aurais fait à un homme? Quoi, je sais pas comment on fait. Viens par ici, je vais te montrer. Putain, elle est en train de crever, les gars. Je n'ai pas le choix, je crois. Inspire profondément et retiens ton siffle. Ensuite, rejette l'air dans sa bouche. Vite, fais-le. Waouh! Appuie une fois sur la touche, carré pour remplir la jauge, de bouche à bouche. Appuie à nouveau pour arrêter la jauge. Waouh, c'est plus des poumons qu'il a, Cloud. C'est long. Ça fait quoi si j'arrête pas avant? Ses poumons, ils explosent? J'ai raté. Il perd tout son souffle. J'ai oublié comme c'était chiant. On dirait qu'il souffle dans un ballon. C'est nul. Eh hey Priscilla, ça va? Non, j'ai le corona à cause de Cloud. Yep, comment vas-tu? Eh hey Noto, salut, comment vas-tu? Tu as raté un tryhard du cul pour avoir Yuffie, ça a duré une demi-heure. J'en pouvais plus. Bon bah il a dû l'amener quelque part. Y a pas un truc avant là? Pas des choses cachées. C'est bien pixelisé comme il faut ici. Hein. Ça fait longtemps que tu as commencé le stream. Ça fait 1h43. T'as pas eu la notif, Noto? Il ne reste plus aucun poisson à pêcher. Oui, j'ai chié dedans, l'eau. Eh, entre un moment. Bah ok. Ouch, nope, je n'étais pas chez moi. Ah oui, d'accord. On va parler de ce qui s'est passé. Tu as tant fait pour Priscilla. Yes. Vous pouvez rester ici ou vous reposer. Moi aussi, je suis fatigué, les gars. Putain. Faites comme chez vous. On fait une pause. Pourquoi pas. Plus tard. Faut que j'aille voir la gamine là, j'ai sauvé.
Bah ok, bon, en fait c'est mort. Désolé, le clou de Priscilla a besoin de repos pour l'instant. Oh. On va sauvegarder vite fait. Hop, petite sauvegarde rapide. Prenons un peu de repos. Maintenant que j'y pense. Encore toi. Qui es-tu? Tu le sauras bientôt, mais le plus important, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, Nibelheim? Lorsque tu es allé au mont Nibel, Tifa était ton guide, n'est-ce pas? Oui, ça fait une surprise. Mais le reste du temps, où était Tifa? Je ne sais pas. Vous avez tous les deux eu beaucoup de chance de vous revoir après autant de temps. C'est vrai. Pourquoi n'avez-vous pas pu vous voir seul? Je ne sais pas. Mes souvenirs sont vagues. Pourquoi ne le demandes-tu pas à Tifa? Bah ouais, il est con, quoi. Alors debout. Taille, il est con, Cloud. Et réveille-toi debout, Cloud. Tifa? Quand je suis venu au niveau même avec Sephiroth, où étais-tu? Je vous accompagnais, non? Oui, mais le reste du temps. C'était il y a 5 ans, je ne me rappelle plus. Mais il se passe quelque chose d'étrange dehors. Viens vite, d'accord. Évitez le sujet principal. Sale connasse au gros tchouch. Depuis quelques dizaines d'années, il n'est plus question que de la Shinra. Je regrette l'époque où l'on parlait de la pêche. De le pec. Il paraît que cette fille a repris conscience. C'est tout de même bizarre, non? Tel vacarme d'un coup. On dirait que ça s'agite là-haut. Tout ce bruit a-t-il un rapport avec la Shinra? Qu'est-ce que c'est que cette musique? Ça me casse les oreilles. Ça va mieux? Oui, merci de ton aide. Désolé, je vous avais pris pour... Dis-tu bien sûr, hein? Pas de problème, je vais te donner un truc super. C'est un porte-bonheur que j'ai trouvé sur la plage. Prends-en bien soin, d'accord? Ouais, j'ai eu Shiva! Ouais, et Panarkala, laisse tomber, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Elle est drôlement entraînante. J'ai entendu dire qu'il répétait la cérémonie d'accueil du nouveau président de la Shinra. Rufus, je dois présenter mes hommages. Mon père et grand-mère m'ont raconté à quel point cette plage était belle quand ils étaient petits. Mais depuis que la Shinra a bâti la ville du dessus, le soleil a cessé de briller et l'eau est devenue polluée. Bien évidemment, le soleil, l'eau, un rapport. J'ai grandi en attendant cette histoire. Alors je ne peux m'empêcher de ressentir une profonde haine envers la Shinra. C'est pas logique. Vous croyez qu'il refuse vous aussi traverser l'océan à partir d'ici? Mais alors, est-ce que ça veut dire que Sephiroth a déjà traversé l'océan? Eh bien Cloud, tu n'as pas achevé Rufus? Bah non. Nous devons accéder à la ville du dessus. On pourrait peut-être escalader la tour. Non, surtout pas. Il y a un courant à haute tension qui circule au pied de la tour. N'y allez pas, c'est dangereux. Mais vous y arriverez peut-être avec l'aide de Monsieur Dauphin. Suivez-moi. Yes, Monsieur Dauphin. Yes. Une tour en haute tension. Ça m'a tout l'air d'une bonne mission pour Cloud. Bah oui, Cloud l'électricien, bien évidemment. Oui, on ferait mieux de laisser Cloud s'en charger. On compte sur toi, Cloud. Attendez. Je meurs d'envie de voir le nouveau président de la Shinra. Je suis pas rassuré. Oh. 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 Cloud chez UDF. T'es pas censé suivre cette fille? Non. Cet homme derrière, c'est un soldat de la Shinra? Non. Y'a plus rien, c'est dans un milieu trop fin et c'est ça. Hey vieux.
Ah, il va toujours dire la même phrase à chaque fois, c'est chiant. Dans FF15, il n'y a pas beaucoup de PNJ, je suis en train de réfléchir. Ah non, vraiment pas beaucoup en fait. Une seconde. Le dauphin qui nage dans les eaux polluées. Le dauphin crotte. Ça c'est quelque chose, je n'ai jamais vu un dauphin sauter aussi haut. C'est génial non? Quand j'utilise le sifflet, monsieur dauphin, il saute pour moi. Tiens Claude, je te l'offre. Yes. Tu me l'offres? Qu'est-ce que j'en sais en faire? Va dans l'eau, siffle et monsieur dauphin te fera sauter en haut du pylône. Siffle pour appeler le dauphin. Sauter en haut du pylône. Tu vois cette poutrelle qui dépasse? C'est ma bite, tout en haut. Si tu l'atteins, tu pourras ensuite grimper jusqu'à la ville du dessus. Bonne chance que là où tu y arrives, nous te suivrons. Claude utilise le sifflet pour Tifa. Ah, donne-moi le PHL, s'il ne marchera plus, s'il est mouillé. Tu veux sauter avec Monsieur Dauphin? Explique-moi encore, je vais essayer. Je reviendrai, je vais essayer. Oh, pas non plus chier autour de la colle. Putain, j'ai mon téléphone qui déconne, je sais pas pourquoi. Il lag, j'ai l'impression. C'est non. Je sais plus où est-ce qu'il faut aller. Pourquoi il fait de la merde? D'accord, bon, ok, c'est du hasard. Hein. Ben ça c'est l'hélicoptère. Oh là là, c'est pixelisé du cul. On aime hein. On apprécie l'animation, l'effort. Donc là normalement j'arrive à la caserne. Allez allez, vite vite. C'est un skin de Mario 64. Et toi tu es encore en cible, viens ici. Eh le bleu, tu m'as entendu, viens là, si tu savais. Allez rentre. Ok, ok, on va faire jouer de la biscotte, ok. C'est un grand jour, nous accueillons le président refuse, dépêche-toi de te changer. Tu vas pas me regarder quand même, mec. C'est une fin de chien, ne pas se changer. Ça me rappelle des souvenirs. Cesse de marmonner, dépêche-toi. Une forme de la chaîne, j'étais si fier de la première fois que je l'ai mis. Quand est-ce déjà? Je ne supportais plus de porter ce truc à force. Wow, ça te va bien. J'espère que tu te souviens du moment de la cérémonie d'accueil. Non. J'en déduis dans ton visage que tu as oublié. Très bien, je vais te le rappeler. Fais comme moi. Capitaine, nous allons vous donner un coup de main. Je vais te montrer comment bouger. Et moi, comment chanter. Très bien, je vous laisse faire. D'abord, voyons la marche adoptée pendant le défilé. Une minute, je n'ai pas encore fait des vocalises. Un peu de silence. Là, là, c'est bon. Yes! En marche! Vive Rufus, Rufus Shinra, garde la cadence avec le soldat à côté de toi, en marche fièrement. Une fois que tu es en cadence, lève ton arme. Oui. Parfait, j'espère que tu seras aussi bien lors de la vraie parade. Mais j'ai pas! Rufus, t'es arrivé à Junon, pas de prépa. Mais j'ai pas! Et j'ai pas révisé, j'ai cru que... Mais la bite? Mais la bite? Mais c'est la bite?
La cérémonie d'accueil va commencer. Oh merde. J'ai pas révisé en fait. Quel camp! Punaise, le défilé de Lego. Ah, ça fait mal aux yeux. Hein. Ah, c'est vrai que c'était des Lego. Sur ce coup-là, t'as pas tort. Putain, mais y'a rien. Y'a rien ici. C'est de la merde. Et là, ici, y'a quoi? Ah oui, c'est l'ascenseur pour les copains. Caution. C'est bon? Merci. Pas encore l'heure de la relève de compresse. Ok. Ah putain. Je croyais qu'on pouvait y aller. On devra s'en taper l'animation de 2 ans là. La cinématique là. Le bon gros canon sa mère. Le bon gros canon qui tue des gens. Gros canon. Ah, ils étaient en train de construire une autoroute. Personne. Bah oui mec, on est en retard. Eh le bleu, c'est de ta faute, tu nous as ralenti. Capitaine, nous allons prendre un raccourci. Bien, bonne idée. Par ici. Putain, c'est pas si important que ça quoi. T'es en retard mec. On s'en fout. Allez, vous d'abord. Non, bah non, je vais aller visiter un peu si ça te dérange pas. Eh, hey, ne m'énerve pas davantage. Bon bah on peut pas. Oh, on peut pas. C'est quand même la baisse quoi. J'y vais en premier. Alors regarde bien, il fait comme moi. Juste dans le fond et tu vois le place libre. Maintenant écoute cette parade et on transmet ça direct dans le monde entier. Appuie-toi de façon à ce que l'armée Junon fasse bonne figure. Ne fiche pas tout en l'air. Bon, avant ce niveau, faut filtrer dans les rangs. Je pense que je vais foutre la merde en fait. Glisse-toi par le fond, ni vu ni connu, et reste dans le rang. À toi qu'il arrive, mais c'est surtout pas d'introduire par l'avant. Allez, en marche. Maintenant! Yes! Arrête de faire des tuyaux! Putain, j'adore. Maintenant. Allez, on y va! Ouais! Attends, je suis en retard! Je suis en retard, monsieur! Wouh! Il va rage quitter. Mais que faisait ce soldat? L'audience remonte. Non, elle dégringole. Je ne suis pas viré quand même. Quoi? Oh que si, tu es viré. Qu'on lance une grenade ou quelque chose sur ce soldat. Reçu grenade. Ouais. Je
juste à temps. Le président Rufus. Bon, aligne-toi en silence. Et pas un geste. Parfait. On s'en foutait en fait. Où en est le vaisseau? Le vaisseau longue distance n'est pas encore opérationnel. Il devrait l'être d'ici 3 jours. Et le Gelnica de la force aérienne? Arrête de rire comme un cheval. Mon père s'en moquait, mais moi je ne le tolérerai pas. Je ne le tolérerai pas. Bon, c'est moi, désolé. Le cargo est-il prêt? Oui monsieur, le préparons tout de suite. Pourquoi il me tape? Pourquoi il me tape ce con? Quel désastre. T'es vraiment furieux. L'homme au manteau noir est en ville, mais nous n'arrivons pas à le trouver. L'homme au manteau noir s'est montré il y a 2-3 jours. Il a tué plusieurs de nos soldats. Il disparaît juste après. Selon la rumeur, il s'agissait de Zephyros. Attention, rompé. Ils m'ont fatigué. Et toi, tu cherches à réduire les armées? Petit ronflant. Pas de poste pour toi. Suis-moi. Mais non, mais Cloud. Rien à foutre. On ne plaisante pas à l'armée. Seuls tes ordres sont participés à la cérémonie de départ du président Rufus au port. Je t'entraînerai jusqu'à ce que tu sois à l'heure. Je suis là, capitaine. Moi aussi. Très bien, alignez-vous et montrez-moi les postes prévus de la cérémonie. Le mot d'ordre du jour est synchronisation. Ne l'oubliez pas. Prêt? Perception militaire de Junon, c'est parti. Gauche, droite, rond, croix, carré. Ok. D'accord. Bah c'est con en fait. Oui. Très bien, pas d'erreur pendant la vraie parade. Capitaine, quelle est la pose spéciale du jour? Hein? Je n'en ai pas encore décidé. Eh le bleu, je te laisse décider. Montre-nous ce que tu sais faire de mieux. Oui, voir, ce que je sais faire de mieux, c'est... Waouh, impressionnant. Très bien, ce sera donc spécial du jour. Exercez-vous. Oui, capitaine. Allez, on se retrouve au port et pas de retard. Attention, rompez. Les groupies, j'avoue. Bon allez, moi je pense que je sauvegarde là. Et c'est tout pour moi. Il est temps pour moi d'aller manger. Voilà. Bon allez, Noto, je suis désolé, mais je vais couper le stream là. Ça fait déjà 2 heures. Hop. Bon allez, sur ce, je te laisse.